Nous allons dire que nous avons créé les téléphones, nous avons créé les micros. J'ai dit non, ce n'est pas une création. Non. Ce n'est pas une création. Donc, posez-moi la question, si ce n'est pas une création, alors c'est quoi? C'est quoi? Non. Le téléphone. J'ai toujours dit dans mes conférences, le téléphone qui est là existait depuis le point de départ. C'est-à-dire depuis que Dieu a créé le monde, le téléphone existait. Depuis le point de départ, il y avait le téléphone. Ce téléphone est créé, est inventé, est formé par des matières. Et ces matières, à 100% ne sont pas artificielles. Il y a ce qu'on appelle le caoutchouc. Il y a le fer. Est-ce que depuis le point de départ de la création, la terre ne contenait pas de fer? Non, répondez-moi sincèrement, mes chers frères. Non. La terre contenait de fer, non? Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui a été inventé? C'est l'homme qui n'avait pas réfléchi à ce point. Il a failli 20e siècle ou sinon 19e siècle que l'homme atteigne le niveau de la création d'invention des téléphones. Sinon, les matières pouvant rentrer en constitution pour créer, pour inventer les téléphones existaient depuis le point de départ de la création de Dieu. Donc, acceptons notre inconscient. Notre incapacité faible de caractère d'esprit face à Dieu. Du jour au lendemain, on se rend compte, on sera à la lumière de certaines choses. Nous aussi, on se glorifie de ça pour dire que nous avons fait. Non, c'est Dieu. Tous ceux qui sont dans le téléphone, tous ceux qui sont dans le micro appartiennent à Dieu, y compris toi-même et nous tous. N'oublions pas cela. Si le développement, si l'avancée du monde, l'avancée du tech, du TIC et de la technologie nous détrône de Dieu, nous devons faire beaucoup attention. Et en cela, monsieur le parrain, moi je vois en cela sincèrement merci monsieur le parrain Cissé Aboubacar. Je ne serai pas trop long. Non. D'ailleurs, je l'ai été. Je suis attendu de l'autre côté. Mais je vais développer ça tout simplement avant de conclure. Le développement, le niveau du monde actuel nous prouve à suffisance que le monde tend vers sa fin. Et secondo, ça me prouve à suffisance que le monde, Dieu a été clair dans le sang courant que ce monde prendra fin. J'ai eu ma réponse à travers le développement et le niveau du monde actuel à travers ça. J'ai dit Dieu, vraiment c'est vrai et vous avez raison. Dieu a raison à travers le développement que nous voyons. Pour envoyer une lettre auparavant en 83 pour communiquer avec les gens à Ségou chez moi, il fallait attendre souvent un mois, en 83 tout près, envoyer une seule lettre à Ségou. Quand les gens venaient en Côte d'Ivoire ici pour avoir les nouvelles, il nous fallait attendre, dans les années 83, des mois pour avoir les nouvelles. Avec l'avancée actuelle, il y a le téléphone. On appelle, tu es où, je suis là. À la Mecque, on appelle, tout de suite j'appelle aux États-Unis. Bravo. Bravo, le monde a été nouveau, a atteint un niveau respectable. Et comprenez les utilisateurs de ces faveurs, que c'est ça est une preuve palpable pour nous, nous indiquant la fin du monde, sans exception. Mais si on ne voit pas la fin du monde en cela, ça veut dire que nous n'avons pas aussi réfléchi que cela. Nos grands-pères marchaient du Mali, de Côte d'Ivoire, à pied pour la Mecque.
Aujourd'hui, nous avons des avions capables de traverser des océans en un clin d'œil. Moins de 24 heures, nous sommes à la Mecque. Ça dépend des appareils. On va dire, oui, le monde a avancé. Oui, le monde a avancé, mais encore une preuve palpable pour nous dire que nous sommes en train d'atteindre la fin du monde. Et si la fin du monde est une réalité, que chacun fasse du bien. Que chacun prépare son avenir. Et cet avenir, mes chers frères, ce n'est pas les buildings. Ce n'est pas les buildings. Ce n'est pas les trésors cachés. Ce n'est pas les entreprises. Ce ne sont pas des titres foncés, des TF par-ci, des TF par-là-bas. Ce ne sont pas des véhicules dans lesquels nous nous promenons. Ce n'est pas des jolies femmes. Ce n'est pas une bonne étude pour je sais pas, avoir le doctorat ni d'être ingénieur. L'avenir, c'est quoi? Si je comprends bien le sens du français, la langue de Molière, c'est pour nous dire à venir ce qui va venir. Ce qui va venir, c'est quoi? Vous devez comprendre avec moi que c'est la mort qui viendra. C'est la mort qui viendra. Le deuxième nom du monde, ça veut dire, faut dire le faux. Ce monde, ce n'est pas monde est faux. Et là, sa fausseté est claire. Le grand Richard du monde, on le prend derrière des ambulances.